Nîmes 6e accueille Arles-Avignon 18e. Les Nîmois ont très bien débuté cette saison. Une victoire lors de la première journée suivie de 3 matchs nuls. Il est temps de retrouver le chemin du succès pour encore monter au classement. Mendy est suspendu pour les Crocos Nîmois. Côté Arles-Avignon, il n'y a eu aucune victoire depuis le début de la saison. 3 nuls et une défaite. Les joueurs de Brugnarès et Stéphane Crucet se disent que c'est le bon moment pour décrocher la première victoire de la saison. Première attaque dès le coup d'envoi. Larsen Touré pour la frappe sous la barre. 1 minute dans le match et le premier but pour Arles-Avignon. Premier but de la saison pour l'international guinéen qui est une des très bonnes recrues de ce club cette année. Les Nîmois se sont fait surprendre. La réponse nîmoise peut-être avec cette reprise à bout portant. C'est sauvé de justesse. Deuxième frappe poteau. Ça revient sur le gardien. Incroyable occasion pour Nîmes. Des Nîmois qui insistent avec Toifilou Maoulida. Le décalage sur le côté. Le centre et la reprise de la tête impeccable de Maoulida. 25e minute. Ça fait un but partout. Troisième but de la saison pour Maoulida qui tourne très bien lui aussi. Une recrue dans ce championnat de Ligue 2. Le match est superbe, il est très bien lancé. Toujours un ballon nîmois avec cette intervention très limite. L'arbitre l'a vu, Jérôme Miguel Gori qui va intervenir et sortir le carton rouge contre Ousmane Sissoko, l'un des meilleurs nîmois, le passeur décisif et l'un des joueurs nîmois les plus convoités. 39e minute. Nîmes se retrouve à 10 à la mi-temps. On en est à 1 partout. Mais 11 joueurs d'Arles-Avignon vont défier 10 joueurs nîmois. Arles-Avignon qui sort d'un beau succès 2 buts à 1 à Angers au deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Ça va donc mieux pour cette équipe qui est en train de le confirmer en prenant un point à l'extérieur. Pourquoi pas mieux avec cette nouvelle frappe. Ça passe juste au-dessus. Dès le retour du vestiaire, les intentions sont bien là pour les Provençaux. Une première attaque à la 46e, une deuxième à la 48e. Le 1-2 et Larsen Touré qui s'offre le doublé. Il est très en forme avec ses 2 premiers buts de la saison. Et Mathieu Michel qui n'a pu qu'effleurer le ballon et le ralentir. Ça rentre quand même. Encore beaucoup de travail pour revenir dans le match pour le Nîmes Olympique. Mais des Nîmois qui ne sont pas trop inquiétés. Ils continuent à jouer à leur jeu. Et ils ont le temps pour égaliser. Nouvelle attaque pour Maoulida. Ça passe au-dessus. On s'approche de la fin du match. Arles-Avignon qui a encore une occasion. Pourquoi pas mettre le troisième. Et ça de juger les 3 points. Mais c'est manqué. Et un ballon capté par Michel. Le match est un peu fou. Avec cette nouvelle percée de Larsen Touré. Le triplé peut-être s'est sauvé par Mathieu Michel. Les Nîmois ont du mal à se procurer des occasions. On va entrer dans les arrêts de jeu de cette partie. 92e minute. Mathieu Robaille qui s'élance. Le coup franc est magnifique. C'est son premier but de la saison. C'est l'égalisation à 2 partout. Une fin de partie très chaude. Arles-Avignon a longtemps cru pouvoir gagner cette rencontre. Ils se font rejoindre dans les arrêts de jeu. Et Larsen Touré qui a marqué 2 buts pour son équipe craque complètement. Carton rouge à la 94e minute. Les deux équipes se retrouvent à 10 contre 10 pour quelques secondes. Un match très chaud qui se termine sur un score de 2 buts partout.